Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'autoroute Flinders Highway. Elle est connue par les habitants australiens comme l'autoroute de la mort, en raison de son histoire. Wolf Creek, le terrifiant tronçon d'autoroute où une douzaine de personnes ont disparu ou ont été assassinées, dont un routard très récemment de 22 ans qui a disparu sans laisser de traces. Un tronçon de route de l'arrière-pays dans l'intérieur du Queensland a été surnommé le Wolf Creek. La Flinders Highway, à l'extérieur de Charter Tower, à 130 km à l'intérieur des terres de Townsville, est également connue par les habitants comme la route de la mort, en raison de son passé infâme. Plus récemment, Jaden Peno Tomset, 22 ans, a disparu de l'autoroute le soir du Nouvel An, alors qu'il se rendait à Cairns avec son ami Lucas. Sa disparition s'ajoute à une liste croissante de mystères non résolus, remontant aux années 1970, qui entoure le tristement célèbre tronçon de la route Loutback. La Flinders Highway, isolée dans l'arrière-pays, s'étend sur 900 km de Townsville à Mount Isa, dans le nord du Queensland, et a été pendant 50 ans le théâtre de crimes horribles et de disparitions mystérieuses. Des autostoppeurs ont disparu sans laisser de traces, des petites filles ont été assassinées et des routards ont été découverts enterrés sous un pont dans quelques-uns des 8 cas macabres. Des rumeurs d'au moins un tueur en série abondent parmi les habitants pour expliquer la vague de meurtres et de disparitions mystérieuses, dont la plupart ne sont pas résolues. Un jeune homme porté disparu sur un tronçon d'autoroute notoire a été menacé au cours des semaines précédentes. Jaden Peno Tomset, 22 ans, était en voyage de sa ville natale de Newcastle au Queensland le soir du Nouvel An en 2017. Décrit comme un baroudeur, Jaden était en voyage de 26 heures avec un homme nommé Lucas Tattersall pour rencontrer des amis et de la famille pendant ses vacances du Nouvel An. Le tronçon de route où il a été vu pour la dernière fois était devenu ces dernières années connu sous le nom de la route de la mort par les habitants. Sa disparition s'ajoute à une liste croissante de mystères non résolus, remontant aux années 1970, qui entoure le tronçon notoire de la Flinders Highway. Son ami, Lucas, a déclaré que le couple avait un désaccord, mais a nié qu'il s'agissait de coups physiques. Selon sa version des événements, Jaden est entré dans la brousse pour se vider la tête, alors qu'il s'éloignait simplement. Quand Lucas est revenu près de la voiture, Jaden était toujours pas là, et il n'est jamais revenu. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, la police du Queensland a publié des images de vidéosurveillance montrant le jeune homme dans un relais routier de la ville. Ses compagnons de voyage n'ont signalé sa disparition à la police que 4 jours après l'avoir vu pour la dernière fois. Tous les autres sont soit confirmés morts, soit déclarés décédés par des enquêtes des années après que leur corps n'ait jamais été retrouvé. D'autres, comme Mark John, dont le frère Tony a disparu en 1982, pensent qu'au moins un tueur en série pourrait opérer le long de la route. C'est une route abandonnée, solitaire, au milieu de nulle part. Mais si la même personne a commis ces meurtres complètement aléatoires, pourquoi s'arrêter? Il déclarera ça en 2014. La famille Jones recherche Tony depuis 36 longues années. Je vais vous raconter l'histoire de Tony. C'est Mark Jones, son frère de 57 ans, qui raconte avec ses propres mots. Je pense que c'est quand même plus facile de raconter son histoire par son frère que par les journalistes. Mon petit frère Tony a hissé son sac à dos sur ses épaules et a affiché un sourire excité. « Je pars dans une aventure épique », a-t-il déclaré, une étincelle dans les yeux. Avec une soif de voyage, il partit faire du stop en Australie. Partant d'Adélaïde, Melbourne et Sydney, Tony rejoindrait mon autre frère Tim, alors âgé de 22 ans, dans le Queensland. J'étais en train d'étudier à l'université, donc je ne pouvais pas suivre. « Assurez-vous de vous enregistrer souvent. Maman avait appelé avant qu'il ne parte. » En 1982, sa seule façon de nous contacter, tous, était une lettre ou un appel d'un téléphone public. Tous les quelques jours, il sonnait à la maison, nous régalant d'histoires de ses voyages en autostop. Le 3 novembre, il a appelé de Townsville. « Je suppose que vous êtes presque fauché, n'est-ce pas, Tony » ai-je demandé un jour. « Je n'ai plus d'argent, riait-il. J'ai dormi sur les plages. » Comme toujours, notre mère, Berthe,
a accepté de recharger le compte bancaire de Tony avec 150 $. Avant de raccrocher, il nous a dit qu'il devait rencontrer Tim à Mount Inza. Ils avaient tous les deux prévu d'être de retour à Burns, pour Noël aussi. Quelques jours plus tard, Tim a appelé à la maison. « Avez-vous des nouvelles de Tony ?» demanda-t-il, sa voix inquiète crépitant dans le téléphone. Tony était censé avoir fait de l'autostop jusqu'au mont Issa maintenant, mais il n'est jamais arrivé. Les jours ont continué à passer sans un mot de Tony. Alors nous avons tous eu une réunion de famille. Peut-être qu'il a trouvé une petite route avec un camionneur. Je suggère, c'est un voyageur aguerri, pensais-je. Mais le 11 novembre, maman était hors d'elle. C'était l'anniversaire d'un jour très important qui avait eu lieu il y a 13 ans. À l'âge de 7 ans, Tony avait disparu pendant 5 heures de notre maison familiale. Il a finalement été retrouvé, accidentellement enfermé dans un vieux réfrigérateur du garage. Inconscient, Tony avait failli mourir. Même s'il devait ramper pour trouver un téléphone, je sais qu'il m'appellerait aujourd'hui, sanglota maman, se souvenant de sa disparition dans son enfance. Tony a appris de son expérience de mort imminente à toujours faire savoir à quelqu'un où il se trouvait. À la fin de cette journée, toute la famille savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Tim s'est rendu à la gare pour déposer un rapport de personne disparue. Et le lendemain matin, maman a appelé pour le suivre à nouveau. Cette nuit-là, toujours sans mot de Tony, nous sommes devenus plus craintifs. Était-il bloqué dans l'outback, perdu et seul? Ou avait-il simplement changé ses plans de voyage et nous nous étions inquiétés pour rien? Alors que la famille se rassemblait autour de la table du dîner, nous nous sommes penchés sur une carte du nord du Queensland. Le paysage vaste et tentaculaire était un territoire inconnu pour nous tous. Maman a téléphoné à la banque pour voir si Tony avait accédé à son compte au cours des derniers jours, mais ils ont confirmé que les 150 $ n'avaient pas été touchés. « Ça ne peut pas être vrai, » dit maman à travers les larmes. « Qu'a-t-il vécu ces 8 derniers jours ?» Étant à 2000 km, nous nous sommes sentis impuissants. Alors mon frère, Brian, maman et moi sommes allés à Townsville pour l'aider à le chercher avec Tim. En débarquant dans le Queensland, nous avons été émerveillés par sa taille. Au fur et à mesure que je parlais avec la police, il est devenu clair combien de cas de personnes disparues actives il y avait dans l'outback. C'était vraiment terrifiant. Désespérés, nous avons commencé à frapper aux portes, espérant que quelqu'un reconnaîtrait une photo de notre Tony. Nous avons sonné autour des hôpitaux et des amis, désespérés de trouver une trace de lui. Après quelques jours, nous avons même retracé le dernier appel que Tony ait jamais passé dans une cabine téléphonique, à Rosely. Les appels téléphoniques et les relevés bancaires ont laissé des traces de preuves, comme une piste. Mais cela n'a abouti à rien. Lorsqu'une récompense de 20 000 $ a été publiée pour les réponses, nous avons finalement réalisé que Tony avait dû faire face à un acte criminel. Accablés de chagrin et abattus, nous avons quitté Townsville sans réponse. C'était difficile d'accepter que mon frère soit disparu. En 1983, la police a reçu une lettre. « Je crois que le corps d'Adjie Jones est enterré à ou près de Fullerton River, lit-on. La zone a été fouillée pendant 2 jours, mais aucune preuve n'a été trouvée. » Alors que les mois et les années passaient, nous gardions espoir qu'un jour nous retrouverions son corps et le ramènerions à la maison, et que quiconque nous l'avait pris serait traduit en justice. 6 ans après la disparition de Tony, Brian a commencé quelque chose de spécial. Nous avons tous réalisé qu'il n'y avait aucun système de soutien pour les familles de personnes disparues, malgré des milliers de personnes qui disparaissaient chaque année. C'est ainsi qu'est née la semaine des personnes disparues en Australie. Elle se tient encore chaque année au mois d'août, contribuant à faire prendre conscience du nombre de personnes touchées par les personnes disparues. Malheureusement, 10 ans après la disparition de Tony, ma belle-mère est décédée. La disparition de son fils a brisé le cœur de ma mère et elle est morte sans savoir. En 2002, une enquête coroniale a statué que Tony avait été assassiné en novembre 1982, sans aucune preuve bien sûr. « Je suis convaincu que la personne disparue est décédée », a déclaré le coroner Ian Fisher. L'affaire se refroidit et sans aucune autre piste, nous étions perdus. Mon père, 93 ans, veut toujours désespérément des réponses. Cela fait 36 ans maintenant. Il existe plusieurs pistes de suspects potentiels que la police continue de suivre et nous espérons que cela pourra être résolu bientôt.
avec une récompense de 250 000 dollars. Pour information, il reste un cas froid actif. Tony était un fils, un frère et un ami. Il nous manque beaucoup et nous voulons juste qu'il rentre à la maison. Anthony John Jones de Perth voyageait dans le Queensland depuis septembre 1982. Il était de nouveau à Townsville le 3 novembre 1982 lorsqu'il a téléphoné à la maison. Il n'a pas été vu ni entendu depuis ce temps et on soupçonne qu'il a été assassiné. Novembre 2021, Tony est toujours porté disparu. Judith, 7 ans, et Suzanne, 5 ans, ont disparu d'un arrêt de bus près de Townsville et ont été portées disparues alors qu'elles ne rentraient pas à la maison après l'école. Après une recherche de 2 jours, leurs corps ont été retrouvés dans le lit d'un ruisseau, asséché à environ 25 km au sud-ouest de Townsville. Suzanne a d'abord été retrouvée avant qu'une traînée d'empreintes de pas ne conduise les chercheurs à 70 mètres du corps de Judith. Ce qui laisse supposer qu'elle a tenté de s'enfuir après que sa sœur a été tuée. Bon, ce qui va suivre, c'est pas dans mon habitude de le faire sur ma chaîne. Donc, âme sensible, s'abstenir. Et ben, je vais avoir beaucoup de mal parce que sincèrement, moi, le true crime, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Et surtout quand il s'agit de 2 enfants. Les 2 petites filles ont été violées et poignardées à 3 reprises dans la poitrine. Mais Judith était encore en vie lorsqu'elle a été enterrée et étouffée à mort sur le sable. Leurs uniformes scolaires ont été retrouvés soigneusement pliés dans leur cartable et leurs chapeaux de paille et leurs chaussures avec des chaussettes pliées à l'intérieur, posées à côté d'elles. Judith et Suzanne McKay ont disparu le 26 août 1970. Leurs corps ont été retrouvés le 28 août 1970. Le 4 juillet 1972, Robin Jane Hounsville Backtram a quitté Melbourne en compagnie d'Anita Cunningham pour des vacances en autostop afin de rendre visite à sa mère à Bowen. Le 15 novembre 1972, les restes de Hounsville Backtram ont été localisés à Sunset Creek, sous un pont sur la Flinders Highway, à environ 80 km de l'ouest de Charlton Tower. Elle avait été agressée sexuellement et touchée à la tête avec un fusil de calibre 22. Aucune trace d'Anita Cunningham n'a été trouvée. Anita et Robin étaient 2 des 7 autostoppeuses qui ont été tuées dans le Queensland entre 1972 et 1976. La police n'a pas exclu que les femmes aient pu être victimes d'un tueur en série. Les informations indiquaient que le couple, qui avait commencé son voyage depuis la Une Highway, s'était rendu à Darwin avant de se rendre au Mont Issa. La disparition d'Anita demeure. Elle n'a toujours pas été retrouvée. Et le mystère du meurtre de Robin demeure aussi. Catherine Pamela Graham, 18 ans, a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 29 juillet 1975, après avoir rendu visite à un ami à Hermit Park. Elle a été portée disparue le lendemain. Son sac à main a ensuite été retrouvé dans la rivière Rose et son corps a été découvert à 18 km de Townsville, à Hawke's Valley, 3 jours après sa disparition. Des témoins à l'époque ont rapporté avoir vu 2 hommes dans une fourgonnette de 1968, près de l'endroit où son corps a été retrouvé. Son meurtrier n'a jamais été arrêté. Le mystère de qui a tué 3 amis de sang-froid lors d'un voyage en voiture dans le nord-ouest du Queensland, il y a 40 ans. Karen Edwards, Tim Thompson et Gordon Twell ont été retrouvés abattus à Spin Creek, à 10 km du nord de Mont Issa en octobre 1978. Un examen post-mortem a montré que tous les 3 sont morts d'une blessure par balle à la tête tirée d'un fusil de calibre 22. Le groupe avait prévu de continuer à Melbourne pour Noël cette année-là, mais cela ne s'est jamais produit.
Une grande partie de l'enquête initiale s'est concentrée sur le conducteur d'une Toyota Land Cruiser marron et blanche, dans lequel les trois amis ont été vus pour la dernière fois, en train de monter au Mondara Caravan Park à Mont Issa le 5 octobre. Le groupe a laissé ses vélos et le chien en camping, mais plus tard dans la journée, la police a déclaré que l'homme du Land Cruiser était revenu à la recherche du chien. Le lendemain, le camping avait été détruit et le chien a été retrouvé à la décharge du Mont Issa. Il a fallu encore 2 semaines avant que les corps ne soient découverts par un couple promenant leur chien. La police n'a jamais trouvé le Land Cruiser distinctif ou le conducteur masculin. Une récompense de $250 000 reste en place pour les informations qui mènent à l'arrestation et la condamnation d'une personne responsable de ces meurtres. Rhys Kearney a été vu pour la dernière fois le 21 décembre 2017, après avoir assisté aux funérailles d'un ami proche, décédé subitement. Au moment de sa disparition, Rhys vivait avec ses parents à Jules Athènes. Le 8 février, la moto a été localisée à la tour Telstra, sur la chaîne de Newcastle, à environ 20 km à l'est de Georgetown, mais Rhys n'a pas été localisé. Rhys aurait maintenant 28 ans, il mesure 1m72. Il n'a pas été revu. Bronwyn Howard a été vue pour la dernière fois à Clunscurry, début avril 2012. Elle visite régulièrement le mont Issa, Tunsville et Tennant Creek. Elle se déplace normalement à pied. Bronwyn a 51 ans. Elle a été vue la dernière fois à Clunscurry. Sa famille craint pour sa sécurité. Il n'est pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles. Né à Wongan Hills, en Australie-Occidentale, Brett Ronan McGillivray était un garçon de la campagne dans l'âme. Il était sociable, avec une personnalité extravertie, un vaste cercle d'amis masculins et féminins, et un amour pour le sport. Jouer au tennis, au football, au basketball, au cricket, au surf et même au water polo. Lors de vacances en famille à Cervantes, une ville au nord de Perth, surplombant l'océan Indien, il a également développé un amour pour la pêche, passant de nombreuses heures en bateau ou sur la plage avec une ligne dans l'eau. Un garçon attentionné et amical avec des parents aimants. Et une sœur adorée, Brett, vivait le rêve australien. Le lundi 10 avril 2006 a commencé comme n'importe quel jour dans la maison de Brett. Brett s'est levé, s'est préparé pour le travail, a dit à sa mère qu'il était peut-être en retard, puis est parti dans sa Toyota Camry blanche avec son portefeuille, son téléphone et son sac à dos. Il était 6h40. Il n'a jamais été revu depuis. En extrayant les enregistrements du téléphone portable de Brett, les enquêteurs ont découvert que le téléphone avait été éteint immédiatement alors qu'il quittait son domicile. Ils ont également découvert qu'une fois Brett parti, il s'était rendu directement à la banque locale, avait retiré de l'argent et avait immédiatement quitté la ville en voiture. Il ne semblait pas qu'il avait l'intention d'assister à son stage d'infirmier ce matin-là. Les enquêteurs ont finalement trouvé des images de lui à Ceduna, en Australie-Méridionale, à près de 2000 km à l'est de Perth, en train de retirer plus d'argent d'un guichet automatique. Les enquêtes sur les comptes bancaires de Brett ont montré qu'il avait continué à retirer de l'argent jusqu'à 5 jours après avoir quitté son domicile, vidant presque complètement son compte. Mercredi 26 avril, 16 jours après la disparition de Brett, un chauffeur de camion a appelé la police pour signaler une Toyota Connolly Sedan blanche abandonnée. La voiture immatriculée sous le numéro 8C1766 était garée dans une aire de camion sur la Stuart Highway, dans la région d'Attack Creek, dans le territoire du Nord, à 80 km au nord de Tennant Creek. La marque et l'immatriculation de la voiture correspondaient à celle de Brett. La voiture avait encore une grande quantité d'essence, donc il n'était pas tombé en panne. Le portefeuille et le téléphone de Brett étaient toujours à l'intérieur du véhicule et ses clés étaient toujours sur le contact. La police locale a lancé une recherche aérienne et terrestre de la région d'Attack Creek
parcourant la brousse voisine. Ils ont envoyé des appels à l'Australie occidentale et au territoire du Nord, au cas où quelqu'un aurait peut-être vu Brett. Personne ne s'est manifesté et aucune autre trace de Brett n'a jamais été retrouvée. En 2006, Jamie Herdman, 26 ans, a quitté son domicile de Broome, en Australie occidentale, pour partir en voyage dans le territoire du Nord. Sa famille s'attendait à ce qu'il arrive à Darwin, mais il ne l'a jamais fait. Il a été vu pour la dernière fois en faisant de l'autostop à Deliwater. Sa voiture, un combi vent, a été retrouvée près d'une aire de repos le long de la Stuart Highway. Il était déverrouillé et ses clés, son téléphone, son portefeuille et ses objets personnels ont tous été trouvés à l'intérieur. Ni Brett ni Jamie n'ont jamais été revus. Mais ce ne sont pas les premiers à avoir mystérieusement disparu le long de la Stuart Highway. En fait, entre 2004 et 2007, il y a eu une série notable de disparitions, certaines se produisant dans des circonstances étrangement similaires. Certains ont commencé à se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus sinistre causant ces disparitions. Le 1er janvier 2017, Rebecca Hayward est arrivée à Alice Springs, en provenance de Perns, pour rester avec sa famille. Vers 20h ce soir-là, Rebecca est aperçue au kilomètre au nord d'Alice Springs sur la Stuart Highway. Il n'y a eu aucune observation confirmée depuis. Des inquiétudes sont exprimées pour son bien-être car Rebecca n'a aucun lien connu avec le territoire du Nord. Zach Barnes de Hunter Valley est porté disparu depuis le 13 novembre 2016. Des amis ont rapporté avoir vu l'apprenti maçon, alors âgé de 18 ans, sortir de la voiture d'un ami et courir dans la brousse, dans un état de détresse, près de l'intersection de Trip Close. Il n'a jamais été revu depuis. Le 19 février 1984, Andrea Wharton a quitté sa résidence de Colt Croft QLD pour rendre visite à des amis à Byron Bay. Elle devait passer par la highway. Elle n'a jamais été revue depuis. Le 7 novembre 1982, Steven, Lisa, Elizabeth et Mark, faisant de l'autostop sur la Flinders Highway, ont disparu mystérieusement. Ils n'ont jamais été revus depuis. Le 25 août 1978, Stephen Lanthorne, 21 ans, et sa petite amie de 18 ans, Michelle Pope, ont partagé un repas avec la famille de Stephen, dans leur maison. Ils devaient repartir dans la nuit. Ils avaient environ 20 minutes de route. Ils devaient emprunter la Flinders Highway. Ils n'ont jamais été revus depuis. Anthony Fahey a été vu pour la dernière fois vers 16h40 le 3 juillet 2013. On pense qu'à ce moment-là, il est monté à bord d'un bus de Canberra à destination de Sydney. Anthony n'a pas été vu ni entendu depuis ce temps et on ignore où il se trouve actuellement. Bien qu'il soit peu probable que les décès et les cas de personnes disparues le long de la route Flinders soient le résultat d'un seul prédateur, la proximité des incidents fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Plutôt que le travail d'une seule personne, la route est un lieu en série de meurtres et de disparitions inexpliquées. Les victimes sont âgées de 5 à 58 ans, englobant à la fois les sexes et diverses causes de décès. Le seul point commun entre tous est l'autoroute elle-même. La cartographie et l'analyse des mouvements de chaque victime peuvent découvrir des modèles cachés pour aider les forces de l'ordre à comprendre pourquoi les victimes et les prédateurs se croisent à plusieurs reprises sur ce tronçon de route isolé.
Une meilleure compréhension de la région pourrait aider à résoudre ces cas de froid vieux de plusieurs décennies, mais aussi à accroître la sécurité des futurs voyageurs sur la route Flinders. Bon nombre de ces disparitions et crimes restent irrésolus à ce jour. Selon l'Australian Federal Police, environ 35 000 personnes sont portées disparues chaque année en Australie. On en retrouve plus de 95% dans la semaine qui suit. Il reste environ 1600 personnes dont la disparition n'est pas résolue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Ne vous empêchez pas d'aller voyager, hein, surtout faites très attention, voilà, et ne partez jamais seul. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.